Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Et du coup, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. Ouais, du coup, où est-ce qu'on en était? Hein, vous avez 10 secondes pour le mettre dans les commentaires. Où est-ce qu'on en était? C'est trop tard, hein, c'est pas grave. Non, bien sûr, je plaisante. Du coup, on est ici à 7 minutes 22 et 7h22, non? Enfin, je sais pas. 7h22 et 52 secondes, c'est possible. Ouais, du coup, on était ici. On avait laissé Ashley se faire enlever par les gros insectes. Donc voilà. Est-ce que j'ai des trucs à te vendre, mon petit pote? Je ne crois pas. Par contre, niveau munitions, c'est la pire des catastrophes. Niveau soins aussi, vous allez me dire, mais bon. Non, j'ai toujours ce bon vieux lance-roquettes. J'ai le Broken Butterfly gratos en plus. Si c'est pas génial, ça. Et j'entends ça que j'ai des trucs à te vendre, mon petit pote. Les bouchons de bouteille, on peut pas lui vendre, hein, donc ça je l'ai pas précisé. Mais on peut pas vraiment pas lui vendre, donc non, j'ai plus rien à lui vendre, donc c'est parfait. Et en niveau pestas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6200. C'est toujours mieux que rien. Normalement, il y a des munitions ici qui traînent aussi quelque part. Hein. Ou pas. Mais bon, allez, on y va, on enchaîne avec la suite, c'est parti. Et on va bientôt quitter le château en plus. Très très bientôt. Et le lance-roquettes va bientôt nous servir aussi. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Enfin tout à l'heure, dans un prochain épisode, je sais pas combien de temps je vais mettre à faire ça. Toi, tu es mort mon petit pote. Et je pense que c'est tout. Ah, il n'y a pas d'autre truc à faire pour l'instant. Si, il y en a encore un qui arrive, ok, il est là-bas. Bon, je me disais bien aussi. Hop. T'es mort. Enfin, je crois. Ok, c'est parfait. Et en fait, je viens de me rappeler que c'est pas la fin du château, en fait. Là, on est encore loin du compte, parce que je me suis rappelé qu'il y a d'autres trucs à faire avant. Mais c'est pas grave, de toute façon. De toute façon, on a bien le temps. Enfin, quoique, nous on est plus très loin en fait de la fin du château. Mais il reste quand même pas mal de trucs à faire, ça on va pas se le cacher. Mais bon, comme j'ai dit, on a le temps, on n'est pas là pour se presser. Alors, on a le bon vieux retour des catapultes, bien évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Et là, ben, bien évidemment, c'est fermé. Du coup, on a vu dans cette petite cinématique Ashley qui se faisait enlever par Ramon Salazar et son célèbre bras droit. Son célèbre bras droit dont je ne parlerai pas pour l'instant. Bon, là-bas, je voulais tirer ton pote. Ce qui aurait été plus marrant si j'avais réussi du premier coup. Mais c'est pas grave, donc on reprend une herbe verte. Du coup, je pense même que c'est les catapultes. Non. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait ce jeu non plus, mais non, je crois que c'était. Est-ce qu'on voit un con là-dessus? Est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas d'ennemis. Hein. Enfin, du moins, ça a pas l'air là tout de suite. Alors, on va faire le tour de côté, je crois que j'ai raté des trucs. Je suis pas sûr, mais je pense que j'ai raté des trucs. On peut pas faire le tour. Ouais, voilà. Je me disais bien aussi. Munition de fusil, munition de magnum, c'est parfait. On va combiner ceci avec cela. Il ne manque une herbe. Il ne manque une herbe jaune. Hein. Non, je pense que c'est les catapultes de l'autre côté en fait qu'on voit. Du coup, bah, notre cher ami Ramon Salazar est passé par là. Du coup, nous on va passer par ici, on n'a pas trop de choix. Et on va recroiser. Ah non, ici c'est autre chose. Ok, c'est pas encore ici le truc. Il y a pas mal de trucs à faire ici. Ça fait beaucoup de ici dans la même phrase, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je fais le tour comme un con? Enfin, il y a une échelle. Voilà. Je suis passé devant trois fois, mais c'est pas grave. Je vais prendre le pistolet. Je pense que je vais peut-être prendre le TMP parce qu'il y a plein de choses à faire ici. Alors, en tout cas, si c'est cette pièce là, wow, je sais plus en fait. Je sais plus. On fait ça à l'aveugle. Un truc que je me rappelle vaguement. Enfin, je sais que. Je sais qu'il y a un ascenseur pas très loin. Alors, c'est pas celui-là, malheureusement.
remonter à l'échelle, on n'a pas le choix. C'est marrant parce que des, je sais pas si vous avez remarqué, ils ont quand même modélisé des planches de bois qui cassent ce truc là. Alors je sais pas si on pouvait les casser. J'ai jamais tenté d'ailleurs, parce que sur PS2 c'était tellement tellement pixelisé qu'on voyait même pas qu'il y avait des planches qui coinçaient dans, dans les roches. Par contre ça fait un petit gâchis de munitions, hein, je vous cache pas. Je vois plus de... Je vois plus de planches, donc c'est pas grave. On va monter du coup à l'escalier, on n'a pas trop le choix. L'escalier qu'on adore. On a une petite plante verte et une petite note ici. Préparation du rituel. Ouais, donc ça c'est les insectes qui s'appellent des novistadors. Voilà. Nous avons capturé Ashley. Enfin du coup, ouais, je vous laisse lire. Bon du coup ça c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc ils sont contents de nous tenir des notes pour nous dire tiens voilà. Ah bah du coup on devait vraiment casser les rouages, ok. Ah bah oui, oui, maintenant ça me revient du coup. Maintenant ça me revient, effectivement on devait casser. Je me rappelle plus qu'il y avait des poutres, je sais bien qu'il y avait juste le levier activé, mais je me rappelle plus qu'il fallait casser là. Parce que oui évidemment sinon c'est pas cool hein. De gâcher des munitions et surtout. What? Vous êtes où en fait les gars? Où ils sont? D'accord, je sais pas du tout où ils sont, mais c'est vrai. Regarde, pas son bas. Est-ce qu'il y a des gens ici? Enfin, c'est quoi ce bordel? Il a l'air d'avoir d'ennemis, hein. Ah si. Sur le couteau parce que j'en ai marre de gâcher des munitions pour rien. L'autre il tire à travers le mur. Mais il s'en mal hein, apparemment il s'en mal. Allez hop, on descend un mètre plus bas. Ah salut. Aïe salaud. Ah. Voilà, ça c'est le suplex dont je parlais. Alors normalement lui il a un masque en fer donc c'est un peu. Ah bah il est mort sur le coup quand même. Ah bah voilà, c'est bien. Cool ça. Hop là. Ah, t'as cru que t'allais m'échapper toi. Voilà. Ouais, donc comme il avait un masque en fer, alors normalement sur les ennemis qui n'ont pas de casque, ça fonctionne très bien. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont la tête qui explose quand même. Ah oui, donc ils arrivent. Il y a plus d'échelle ici, non? C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, par contre, hop. Aïe, enfoiré. Oula, je suis pas mort en plus. Je suis pas mort. Je suis toujours vivant. C'est dingue. Je suis toujours vivant. Alors, on va prendre deux fusées à pompe. On va s'amuser. Hop, on tire pas. Bon, par contre, il a relancé son pétard. Là. Ah, il a tué son pote. Ça, c'est bien. Non, je sentais tenir mes munitions aussi un maximum. Mais bon. Mais monsieur Pétard, il veut bien arrêter là, s'il te plaît. Par contre, je sais pas du tout où tu es en plus. Alors, je crois qu'il était à l'étage au-dessus. Par contre, il y a un truc là-bas. J'ai pas fait. Bon, monsieur Pétard, il va rester là, c'est pas grave. Il y a des autres trucs à récupérer, je ne sais pas. Ah, ou à côté de moi en plus. Qu'est-ce que t'es? Je sais pas du tout où il est. Je crois qu'il est de l'autre côté. Bon écoute c'est pas grave, je vais pas lui courir après. Il a beaucoup de pétards hein, il me semble. Enfin beaucoup de dynamite en tout cas. Du coup je vais faire un petit tour par là. Ah voilà. Ah bah il s'est tué lui-même. Imbécile. Il s'est tué lui-même. J'ai déjà plus que ça en vie, sérieux. Ça va, bon on va descendre ici, ça va un peu plus. Oh. J'allais dire, ça va un peu se compliquer. Dis-moi que tu vas péter au moment. J'ai fait un strike. J'ai fait un strike. On est d'accord ou pas? Ah, mais vous êtes sérieux, les gars là? Bon, en plus, je peux prendre un kit de soins quoi. Ça, je le prends pas. Munition de fusée à pompe, ça va être un peu chiant.
Bon, je vais tenir le pistolet, je pense. Ah, je sais pas s'il y a un type derrière moi. Ah oui, il y a un type derrière. Oh, oui, il y a plein de types derrière en fait. Non, cassez-vous. Cassez-vous là, s'il vous plaît. Ils sont vachement nombreux. Ils sont vachement nombreux. Oh le. Par contre, je me suis trompé avec le. Super. Parfait. C'est parfait, on reprend le pistolet. Hop. Ah mais salaud. Saligo. Voilà, alors regardez derrière au cas où il y en aurait un qui est. Non, c'est bon, personne ne pop. Qu'est-ce qui lance des pétards hein, s'il vous plaît. Ok. On va prendre le fusil, on va essayer de tirer. Casse-toi. Putain, c'est sérieux? Enfoiré, j'ai eu peur moi. Oh, je vais mourir. Ça prend ça, prend ça, prend ça. Voilà, j'ai de la chance. On m'a fait peur avec son insecte à la con. Oh, mais vous êtes sérieux là, les gars, c'est pas possible. Oh, il est mort lui. Pas du tout. C'est bon. La gasse à la con. Voilà, c'est bon. Et on a une herbe verte, c'est parfait. Faut pouvoir l'utiliser. Enfin, un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ça se complique aussi, hein. Faut esquiver, ça se complique aussi. Il manque un soin. Donc, je l'ai utilisé, je sais pas. C'est pas grave. Ok, du coup, on va réutiliser le pistolet à nouveau. C'est dingue, on a un bracelet en or, on pourra les revendre aussi. L'ennui c'est qu'à l'intérieur c'est encore plus pire que ce qu'on a croisé ici. Il y a un petit bug de jeu, par contre, parce que lui ne disparaît pas, donc ça c'est louche. S'il n'y avait pas des trucs par là, je vais aller voir, parce que je crois qu'il y a des... Ah non, pas du tout, on peut pas aller. Ah par contre, il y a une machine à écrire que j'ai loupée. On va sauvegarder, on va sauvegarder. Bah heureusement qu'ils mettent une machine à écrire là où il y a plein d'ennemis, parce que sinon ça serait pas drôle. Sinon ça serait pas drôle. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a encore plus pire à l'intérieur, donc le peu de missions que j'ai, je sais pas si ça va réellement suffire. Sachant qu'en plus on a d'autres ennemis qui sont un peu plus résistants. Je vais éviter de spoiler, mais voilà. Donc du coup voilà, deux garadors en plus d'un coup. On recommence, ils sont sympas, vraiment. Ils sont sympas, alors je pourrais utiliser le lance-roquette, mais comme je l'ai dit, il vaut mieux le garder. Ouais, c'est bien. Bon, je rappelle qu'à la base, eux ils sont censés être sourds. Hein. Arrêtez, bande de relous. Hein. On va essayer de marcher. Alors je peux pas vraiment courir en fait parce que sinon ils entendent tout. C'est de vraies saloperies hein, ce truc. Vraiment. Voilà, ton pote il a entendu, enfoiré. Là. Non, ah oh, la vache quoi. La vache, je peux pas courir en fait parce qu'ils sont. Pourquoi je vais prendre ça, ça va être plus simple. Oups, pas courir, aïe. Je pense que j'aurais pas le choix de prendre mon dernier soin, je crois. Et là, il court comme un enfoiré en fait. Ah la vache, ce jeu quoi.
Voilà, et ton copain m'a entendu, c'est super génial, franchement. Donc on va faire scalper. Il y en a un qui est parti là sur le côté. Il y a un kit de soins là-bas. Il y a un kit de soins là-bas, si j'arrive à le choper, c'est génial. C'est une blague ce jeu, c'est une blague. On y arrivera, on y arrivera, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah, il m'a même entendu courir aussi. Il m'a entendu courir, ton pote. Ah non, je peux toucher la cloche d'ici. Ok. Toi tu vas me saouler. Vraiment hein. Évidemment. Ça fait pas choper s'il te plaît, surtout. Ah c'est vide. Ah bah oui c'est vide, bien sûr c'est vide. Qu'est-ce qu'on croyait? Ok, bon, je vais peut-être plus concentré. T'es serré, t'as pas entendu la cloche. Allez, vas-y. Il a pas entendu la cloche, on sait pas grave, on va essayer de le choper. Voilà, c'est bon, c'est parfait, on est content, on est tranquille. On est tranquille, pour l'instant. Pour l'instant, oui, parce que c'est pas encore fini. Hein. Voilà, ça c'est le pire moment. Enfin, faut j'arrête de dire pire à chaque fois que je joue un truc, mais là franchement. Deux guerres à d'or d'un coup, c'est horrible quoi. C'est vraiment horrible, c'est pas grave, on a quand même réussi, ils sont morts, par contre. Niveau soins, je pense qu'il me reste un seul kit de soins ou pas du tout. Non, je pense qu'il m'en reste un. Niveau balles, ben voilà. Il me reste plus énormément de choses. Il me reste 12 balles, une grenade. Ouais, bon, la grenade, ça je m'en fiche complètement, franchement. Parce que la grenade ne me sert pas. Et il y a encore un truc qui s'est cassé. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Et je. Ben, je vais garder le TMP, j'ai pas trop le choix. Et là je pense qu'il n'y a plus d'ennemis ici. Enfin, il n'y a plus d'ennemis de ce côté là, donc là on est un petit peu tranquille. On a des spinels qu'on pourra vendre et je pense qu'on arrive près d'un vendeur aussi. Voilà, c'est que les munitions, on n'a plus grand chose et j'en ai vraiment mais vraiment besoin pour ce qui va se passer après. Je vérifie qu'il n'y a plus de choses sur le côté, donc ça c'est bon. Et du coup on passe de ce côté, c'est parti. Ashley. Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. No more games! Kill him!
shall prepare for the ritual. Leon, you're alive. Oui, on est en vie, mais voilà. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Voilà, donc le type nous a envoyé son bras droit. On ne va pas croiser là dans l'immédiat. Mais il a envoyé son bras droit. Par contre, ici, il y a des petits potes là. Alors, je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit. Mais bref, on a une couronne ici qu'on va pouvoir revendre. On va se refaire un petit stock de munitions. Je vais essayer de me reprendre, aussi un kit de sang. Enfin, un kit de sang parce que le vendeur est très radin. Donc, je vais aller voir ce qu'il vend. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que dans le prochain, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Hein, beaucoup de choses. Et là c'est officiel du coup, ça approche vraiment de la fin du château avant d'entamer l'avant-dernier chapitre du jeu. Il faut savoir qu'on a fait le village, on a bientôt terminé le château. Il y a un tout petit niveau à faire après et ensuite on entamera le dernier, donc ça va être un peu chiant pour le reste, mais franchement ça va quand même. La couronne, je pense qu'il faut... Je sais pas s'il y a des trucs à mettre dessus. Mais bon. L'herbe jaune, non, je la garde. L'herbe jaune, le fusil à pompe, je le garde. Les grenades d'incendie aussi. Du coup, je vais t'acheter... Je sais pas quoi. Je vais t'acheter un kit de soins. Ça, c'est déjà sûr et certain. Oui, je t'achète ça, mon petit pote. On a des munitions de fusil à pompe. Ça manque vraiment de munitions de TMP. Je pense que je vais en racheter. Ouais, l'herbe jaune, pour l'instant, c'est pas trop ce que j'ai d'intéressant. J'ai toujours le lance-roquette. Toujours le garder, le lance-roquette. Je le répéterai jamais assez. Bien qu'il y en a qui se préfèrent... d'argent pour acheter des termes, il faut aussi du cran. Oui, je vais acheter le lance-mine, ça c'est très intéressant, le lance-mine. Franchement, voilà. Du coup, fusil automatique, non. Moi, je veux simplement des munitions de TMP, mon pote. Qui se trouve là en bas, je crois. Lunettes, spray. Il n'y a plus des munitions, je pensais qu'on pouvait en racheter, moi, des munitions. Hein. Bref, j'ai mon lance-mine, ça c'est intéressant. Optimiser, non, le TMP, oui, ça, je pense ça. Puissance de feu, on est à 100%, c'est parfait. La contenance, on s'en fiche. Et le striker, pour l'instant, on s'en fiche aussi, c'est pas trop. Alors normalement, il y a un succès, je crois que c'est pour améliorer toutes les armes. J'ai pas acheté toutes les armes parce que ça m'intéresse pas énormément, mais bon, on a 19200 pèse tasse, je pense que c'est bon. Un lunette de lance-mine, non, lunette de fusil semi-automatique, non. Eh ben je pense qu'on est bon et malheureusement j'ai pas encore tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Du coup je vais sauvegarder là et on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré que j'ai galéré quand même un petit peu sur celui-ci. Mais bon, du coup dans le prochain épisode on va pas se le cacher, c'est pas un spoil, on va devoir affronter son bras droit. Sachez toutefois que c'est pas obligatoire entre guillemets de le vaincre. Mais ça rapporte quand même des points et il y a quand même un succès qui est qu'on peut vaincre son bras droit. Ça va être un peu chiant, je vous le cache pas, parce que c'est un ennemi qui est quand même assez assez dur, assez costaud. Mais bon, du coup vous inquiétez pas, on fera ça dans le prochain épisode. Toujours est-il que j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous le souhaitez. Et puis quand même, je vous retrouve très vite pour la suite et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.